Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis et comme annoncé, on va parler aujourd'hui d'imprimante 3D et de mon fabuleux voyage dans le monde de l'impression 3D. Alors, je vous cache pas que il n'a pas été d'une simplicité folle. Je vais vous raconter tout ça, je vais vous donner des conseils éventuellement si jamais ça vous démange ou si vous avez franchi le pas et que ça se passe pas super bien et que vous n'arrivez pas à trouver ce que vous voulez sur internet. Voilà, il y a certains trucs qui me sont arrivés. Honnêtement, c'est pas les vidéos YouTube qui m'ont aidé. Il a fallu farfouiller au fin fond des forums pour trouver des solutions. Ça va être une vidéo très blabla. Je vais vous montrer un petit peu les résultats que ça peut donner. Je vais vous faire quelques petites mises en garde. Je pense vraiment qu'il y en a besoin. Et quelques petites anecdotes dans les trucs débiles qui ont pu se passer. Premier point que je voulais aborder avec vous sur l'impression 3D, qui est un point positif, c'est que c'est pas cher. J'ai beaucoup attendu que les prix tombent extrêmement bas, parce que je voulais pas mettre des 1000 et des 100 dans un truc qui peut-être finalement me plairait pas. Du coup, voilà, j'ai chopé mon imprimante à l'époque, donc c'était en novembre, on n'était pas encore confiné. Elle était à 170 euros, je crois, il me semble. Et j'ai l'impression qu'on peut trouver des promos qui descendent encore plus bas. Et c'est là que commence le premier bémol. Vous allez être plus ou moins dirigé vers un site internet qui s'appelle Gearbest. Alors appelez-le comme vous voulez, Gearbest. Je vais l'appeler Gearbest. Qui est un site qui vend beaucoup de choses, notamment en impression 3D. Très fourni, le catalogue visuellement, c'est la fête à la maison. Il faut savoir que ce site a ses entrepôts, la majorité de ses entrepôts en Chine. Et ça veut dire quoi? Outre le coronavirus, ça veut dire que les objets vont vous mettre un temps infini à arriver. C'est vraiment, ça se compte en mois. S'il y a un incident, l'objet il va se perdre dans la nature. Et si vous n'avez pas pris leur assurance qui coûte quand même la peau du cul parce que c'est en pourcentage du montant que vous commandez, si c'est perdu dans la nature, c'est perdu. Voilà, ils vous doivent rien, ils n'essayent pas de vous arranger. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai commandé plusieurs objets. J'ai commandé l'imprimante en elle-même et faisant confiance à certaines vidéos, j'ai directement commandé des pièces de rechange un peu plus solides pour améliorer l'imprimante. Au final, l'imprimante est arrivée. En premier, j'ai du bol, c'est pas ça qui s'est perdu. Par contre, le fil de plastique commandé et les éléments pour modifier l'imprimante, eux, ils ont pris du retard parce que j'ai fait la bêtise de les commander en même temps. Et du coup, en fait, pour eux, il y avait deux commandes, il y avait l'imprimante d'un côté et tout le reste de l'autre. Et tout le reste de l'autre, en fait, ça a pris du retard parce qu'il manquait les bobines de plastique. Ça a commencé comme ça. Donc il fallait attendre qu'ils aient bobine de plastique pour tout envoyer. Au final, des semaines plus tard, ça y est, ils ont les bobines en plastique. Ils les envoient. Et quelques semaines plus tard, je reçois quoi à la maison? Que les bobines en plastique. C'est-à-dire que les éléments, les pièces de rechange de l'imprimante, ils sont pas là. Et quand je les contacte, ça va arriver, il y a du retard, c'est pas dramatique, ça vient de Chine, c'est normal. Ok. Des semaines plus tard, patientez, ça va vraiment bientôt arriver, on me donne des deadlines de livraison qui se franchissent gentiment une à une et j'ai toujours rien et je tente vainement de les alarmer en leur disant, vous savez, on est en janvier, j'ai commandé en novembre, j'ai toujours rien. Et des semaines plus tard, on arrive à la dernière deadline qui devient un peu débile, début mars, et début mars, j'ai rien. Et alors là, ils me disent, votre colis, on ne sait pas où il est. Et comme vous n'avez pas pris l'assurance, tant pis pour vous. Donc les pièces détachées, je me les mets gentiment au cul. Donc voilà,
Gearbest, je pense que je vais maintenant commander sur Amazon. J'ai fait une deuxième commande sur Gearbest parce qu'en fait, ils ont gentiment accepté de me restituer la moitié de ce que j'avais payé, mais en mode bon d'achat. Donc, il fallait commander autre chose, quoi. Donc, j'ai commandé autre chose. Et ben, j'ai commandé le 2 février. On est le 19 mars. Le produit est toujours pas sorti des entrepôts. Mais on me dit, ah, mais oui, mais c'est normal. Enfin, ouais. En gros, vous aurez tout le temps le message, c'est normal, parce qu'en fait, il n'y a pas d'enquête, c'est le message classique qu'ils vont vous envoyer. Et je suppose que là-bas, il y a un bureau qui doit être chargé de croiser les doigts pour que les colis arrivent. Et quand ils ne croisent pas assez les doigts, le colis n'arrive pas, et là, on vous envoie le message, ah bah désolé, ça s'est perdu. Sauf que là, vu que c'était un colis de faible montant, en fait, j'ai commandé juste une pièce qu'il faut vraiment que je change, parce que j'ai la certitude qu'elle est vraiment pas solide et qu'elle va finir par péter. Donc une seule pièce qui coûte pas très cher, du coup l'assurance était pas très chère. Elle était à 1 euro et quelques, donc je l'ai prise. Donc du coup je vais bien pouvoir les faire chier pendant les 6 prochains mois en mode je veux mon extrudeur, je veux mon extrudeur, je veux mon extrudeur. Le truc c'est qu'il faut de la patience. Parce que nous on est habitué à de l'Amazon qui te livre en 15 jours et Gearbest il te livre en 1 mois et demi, 2 mois, si tout va bien. Donc après, à vous de gérer la crise, hein. Moi maintenant, c'est Amazon ou rien. Gearbest, ils peuvent aller se faire foutre. Et je suis ravi de leur faire un petit peu de pub. Du coup, imprimante arrivée, j'ai dû attendre de longs mois pour avoir les bobines de filament plastique. Moi, pendant lesquels, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je me suis renseigné sur ce qu'il faut prévoir, ce qu'il faut mettre en place, ce qu'il faut faire. Et la première chose sur laquelle je vais vous alarmer, c'est que l'imprimante arrive en pièces détachées, qu'il faut les assembler. Alors, c'est un meuble Ikea, hein. C'est-à-dire qu'avec un tour de vis, vous montez le tout. Ça prend vraiment pas longtemps. La notice, honnêtement, rangez la notice dans un coin et allez sur Internet trouver une vidéo où quelqu'un monte votre imprimante, ça ira beaucoup mieux. Parce qu'il y a deux, trois passages un peu chelous et le plan, il vous aide pas spécialement. Par contre, là où je veux vous alarmer, là où je veux attirer votre attention, c'est sur le fait que monter l'imprimante, ça doit être quelque chose que vous faites avec minutie. Minutie, ça veut dire que à chaque fois que vous verrouillez, à chaque fois que vous vissez une pièce dans l'autre, ben vous prenez une équerre pour vérifier que la pièce, elle est bien à 90 degrés. Il vous faut un niveau pour vérifier que la pièce, elle est bien droite. Parce que si vous montez votre imprimante et qu'il y a des degrés d'écart, vous voyez que vous avez deux axes qui doivent être verticaux. Si vos deux axes ils sont comme ça, j'exagère un peu, mais comme ça de quelques degrés, mais au final quand vous allez imprimer votre cube, mais votre cube il va pas être comme ça, il va être comme ça. Et pour peu qu'il y ait vraiment beaucoup de degrés ou qu'il y ait des petits détails sur le cube, et bien les petits détails vont être décalés et ça va se voir visuellement. Surtout si vous imprimez des pièces qui sont destinées à s'emboîter les unes dans les autres ou à se coller les unes aux autres, bah quand c'est pas droit et vous avez beau essayer de coller, au final c'est pas droit. Donc voilà, ce montage a plus d'importance qu'on le dit. Et vous allez peut-être vous retrouver avec des erreurs d'impression, des objets 3D dégueulasses, et vous allez chercher d'où ça vient. Si ça se trouve, ça vient juste du fait que c'est pas 90 degrés et que c'est pas plane. Donc, un niveau et une équerre et une petite heure devant vous. Rien que le fait de faire ça, vous allez déjà vous éliminer beaucoup de soucis. Alors après, est-ce que avec le temps, il faut revérifier? Moi, j'ai qu'une imprimante, donc je ne peux pas parler pour toutes les imprimantes, mais donc la Creality Ender 3 qui est la mienne, globalement, c'est des pièces en acier usiné, vissées, avant que ça bouge. Faudrait la trimballer en camionnette, je suis shooté dedans à coups de pied. Donc, je pense pas que tous les 4 matins il faille refaire les réglages. Franchement, ça m'étonnerait beaucoup que ça bouge. Pour l'instant, en tout cas, ça fait 2 mois et demi, 3 mois, ça n'a pas bougé. Étape numéro 2, une fois que votre imprimante elle est montée, c'est qu'il faut la régler. Et je pense que à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui ont acheté une imprimante qui doivent se sentir complètement dépassés. Ça me fait penser à l'époque où j'ai arrêté d'acheter des appareils photo tout prêts et que j'ai acheté un réflexe et que le réflexe il fallait le régler. C'est-à-dire que du coup vous avez des valeurs qui correspondent à des options
Et vous savez pas trop s'il faut la monter, faut la descendre, et puis quel impact ça aura, et puis voilà, c'est un peu compliqué le réflexe au début, et une fois qu'on s'y est mis, on a compris. Ben, l'imprimante 3D, c'est pareil. Vous avez tout un tas de valeurs, dont certaines sont encore très énigmatiques pour moi, mais ces valeurs vont conditionner le résultat de l'impression. Pas mal, beaucoup. Le premier réglage hyper chelou, c'est la hauteur de plateau. C'est-à-dire que votre buse qui pose du plastique, il faut qu'elle frôle le plateau, mais ni trop haut et ni trop bas. Et quand vous faites des réglages, je vous promets que ce genre de phrase, un peu, ou ni trop haut ni trop bas, ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que vous n'avez pas d'outils pour régler avec précision. Et à mon avis, je pense que les imprimantes qui coûtent vraiment la peau du cul, elles doivent être équipées d'un arsenal pour faire les réglages bien. Quand vous achetez une imprimante à 150 euros, c'est le strict minimum. Donc les réglages, il faut les faire à l'œil, à l'oreille et au doigt. Et un mauvais réglage, une mauvaise impression. Si le plateau, alors il y a des petites molettes sous le plateau pour le faire légèrement monter ou légèrement descendre, mais il y en a aux quatre coins. C'est pas, et c'est, il suffit qu'il y ait une des molettes qui soit mal réglée, votre plateau, il n'est pas plat, il est un peu incliné, et du coup, quand le truc, il veut lui imprimer, parce que lui, il se déplace à plat, si le plateau, il est comme ça, et que votre truc, il se déplace comme ça, ben, au bout d'un moment, il lâche le plateau, et le plastique, il ne touche plus. Encore une fois, j'exagère les gestes, mais un millimètre à ce niveau-là, c'est un décalage violent. Du coup, le réglage du plateau, c'est ce qui m'a le plus fait flipper, le plus fait chier, avant que je trouve ma petite technique. Alors, la technique qu'on donne sur Internet, qui fonctionne, hein, c'est de prendre un bout de papier, de glisser le bout de papier sous la buse et le plateau, enfin, entre le plateau et la buse, et de monter le plateau jusqu'à ce que le papier ne puisse plus bouger. Voilà, quand il ne peut plus bouger, c'est qu'il est coincé. Et là, vous descendez tout doucement le plateau jusqu'à pouvoir retirer le papier et qu'il frotte. Alors, il y a une marge de manœuvre, hein, parce que il frotte un peu, il frotte beaucoup. Le seul truc qui est sûr, c'est que si jamais il frotte pas, c'est que le plateau est trop bas. Et le truc qui est hyper chelou, c'est qu'il faut faire ce réglage aux quatre coins du plateau. Et vous allez voir que ce qui est rigolo, c'est que quand vous faites vous commencez par un premier coin, puisque là tout va bien, et après vous allez faire un deuxième coin. Et ce qu'on ne vous dit pas nécessairement déjà, c'est que si vous faites le premier coin en général, celui qui est, on va dire, en bas à gauche, et bien le deuxième coin qu'il faut faire, c'est celui qui est complètement en diagonale en haut à droite. Il ne faut pas aller faire le réglage juste sur le côté. Il faut aller faire le réglage en diagonale. Et après, il faut se déplacer en haut à droite, par exemple, et après faire en diagonale le quatrième coin. Et à chaque fois que vous touchez un coin, ça a tendance à niquer complètement le réglage de l'autre. Puisque le plateau, en fait, il se penche dans un sens ou dans l'autre, du coup, votre buse va toucher un peu plus ou un peu moins. Ça veut dire qu'il faut tourner sur les quatre réglages jusqu'à ce que les quatre frottent un peu. Et pour être sûr que ça marche bien, voilà ma double astuce. Première astuce, achetez-vous un niveau, mais un petit niveau, un tout petit. Moi, j'en ai trouvé un à 1 euro dans les magasins Action, 3 francs 6 sous, là. Voilà, mon niveau, il est petit comme ça. Vous le posez sur le plateau. Ou pour être même précis, vous commencez, vous le posez sur le sol. Vous vérifiez si le sol de votre maison est droit. Et votre imprimante, elle est posée sur une table. La table, elle est posée sur un sol. Et vérifiez déjà que le sol est droit. Parce que si le sol n'est pas droit, ben la table, elle n'est pas droite. Et votre imprimante, elle n'est pas droite. Et du coup, si votre sol est penché, vous vérifiez avec votre niveau. Si vous voyez que votre sol est penché, vous mettez le niveau sur la table. Normalement, la table, elle doit être aussi penchée que le sol. Si le sol est penché et que la table est droite, c'est qu'en fait, la table, en réalité, si le sol était droit, elle serait penchée. Du coup, en fait, il faut vérifier le niveau de l'imprimante par rapport à celui de la table et celui de la table par rapport à celui du sol. Si vous mettez votre imprimante sur une étagère, assurez-vous que l'étagère, elle est droite. Parce que si elle n'est pas droite, c'est normal que l'imprimante, elle soit pas droite puisqu'elle est posée sur l'étagère. Et comme le bras qui va bouger, lui, il bouge par rapport aux axes de l'imprimante, cherchez pas à ce que votre imprimante, elle soit droite avec le niveau. Si l'étagère, elle n'est pas droite. Il faut que l'étagère
ou le sol, la table, la machine, soient au même niveau, même si c'est pas plane, mais au même niveau. Et du coup, l'imprimante, elle sera droite quand vous la sortirez de l'imprimante. L'objet en 3D sera droit quand vous le sortirez de l'imprimante. Déjà, rien que ça, ok. Astuce numéro 2, donc la petite astuce numéro 1, c'est de poser le petit niveau sur le plateau. Parce que techniquement, quand vous aurez fait votre réglage, votre plateau, il doit être aussi plane que l'étagère ou la table sur laquelle il est posé. Donc ça vous permet de savoir si vous n'avez pas un coin qui est complètement en vrille. Deuxième astuce que j'ai trouvée, parce que personne ne me l'a donné celle-là, le petit bout de papier que vous frottez quand vous réglez la buse, une fois que vous avez trouvé le réglage, vous ne le retirez pas. Vous le laissez sous la buse, et pendant que vous déplacez la buse vers l'autre point de contrôle, vous continuez à frotter le papier. Pourquoi ? Pour entendre à l'oreille, c'est mieux, le bruit que fait le frottement. Parce que si la buse s'éloigne du plateau, et bien le frottement de votre papier va être de plus en plus aigu. Puisqu'en fait, l'espace se libère, donc il y a moins de vibrations, il y a moins de frottement. Du coup, ça fait un son très aigu qui finit par disparaître quand il n'y a plus de frottement. Et inversement, si jamais votre buse se rapproche du plateau, le papier est de plus en plus enserré et le frottement devient de plus en plus grave. Ça veut dire qu'en écoutant le frottement, vous êtes capable de savoir si votre plateau il est en train de s'éloigner ou en train de se rapprocher de la buse. Et du coup, vous tournez la petite molette correspondante pour faire monter la partie du plateau qui nous intéresse, jusqu'à ce que le déplacement de la buse et le frottement du papier fassent le même bruit. Et vous faites ça, vous faites le tour, gentiment. Vous faites les quatre coins, et il faut que, en déplaçant votre buse et en glissant le papier en boucle en dessous, le frottement ait, au niveau sonore, la même gravité. Et bien ça marche plutôt bien, et ça permet de régler assez facilement, alors que quand je faisais les quatre coins un par un, quand je réglais le quatrième coin, fallait re-régler, putain, je vais y arriver, fallait re-régler le premier, fallait re-régler le deuxième, et pendant un quart d'heure, je tournais jusqu'à avoir un truc un peu satisfaisant. Et petite astuce supplémentaire, parce qu'on ne le dit pas non plus dans toutes les vidéos, quand vous réglez le frottement avec votre bout de papier, c'est avec le plateau chaud, parce que le plateau chauffe dans les imprimantes 3D, pour maintenir le plastique un petit peu adhérent. C'est le plateau chaud, parce que le plateau froid et le plateau chaud, ils n'ont pas la même distorsion. Enfin, chauffer du métal, ça fait que le métal travaille. Donc du coup, comme l'impression va se faire à chaud, il faut le faire avec le plateau chauffé. Voilà. Avec ces trois petits éléments, vous devriez arriver à avoir un plateau aussi plane que l'étagère ou que la table sur laquelle il est, et à égale distance de cette charmante petite buse. Rien que ça déjà... Rien que ça déjà, c'est un bon problème de régler bis avec le montage. Ensuite, il y a un autre réglage dont on parle peu. Enfin, les gens qui en parlent en général, c'est qu'ils sont tombés sur leur merde et que ça les ennuie et qu'ils font des recherches et qu'ils trouvent. Bizarrement, Mac Reality Ender 3, quand elle est arrivée, les paramètres par défaut de l'imprimante, il y en a un en particulier qui contrôle la quantité de plastique qui est déversé, on va dire, à la seconde, en gros. Ce qu'on appelle l'extrusion. Et c'est une valeur qu'on peut monter ou descendre. C'est-à-dire, si on la monte, eh bien, il va pousser le plastique de plus en plus pour en sortir plus à la seconde. Et si on la descend, eh bien, il va calmer l'arrivée du fil en plastique pour qu'il y ait moins de plastique. Et ça, ça se règle. Et il se trouve que bizarrement, toutes les vidéos sur lesquelles je tombe, des gens qui parlent de ça, leur Creality Ender 3 est réglée avec des chiffres très bas. Alors, un chiffre très bas... Je croyais que mon téléphone sonnait. Un chiffre très bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors de mémoire, c'est à 83. Alors, 83, je sais pas bien quoi exactement. C'est marqué à côté, hein, il y a une petite valeur. Mais grosso modo, c'est un chiffre qui est très bas. Ça veut dire que quand vous imprimez, les couches les unes sur les autres, il n'y a pas assez de plastique. Du coup, on voit vraiment les couches. C'est super apparent. Elles sont limite espacées par moment et ça casse le truc en deux. C'est de la sous-extrusion.
Et quand vous cherchez solution à la sous-extrusion, les gens vous parlent de monter la température, de plein de sympathiques solutions qui marchent. Alors, c'est pas qu'elles marchent pas, mais c'est pas ça le problème. Du coup, vous palliez la sous-extrusion en augmentant la chaleur, mais c'est pas pour autant que le problème est réglé, en fait. C'est comme si je vous disais j'ai mal à l'œil et que vous me disiez bah, ferme l'œil, tu verras, tu auras moins mal. Ouais, mais si je l'ouvre, j'ai mal à l'œil et j'en ai besoin de mon œil. Ben, c'est un peu pareil. Cette histoire de sous-extrusion par la valeur par défaut, elle est hyper relou. Et ce qui est rigolo, c'est que toutes les vidéos sur lesquelles je tombe ou les mecs règlent la valeur d'extrusion, ils arrivent finalement tous plus ou moins à la même valeur à mettre à la place de la valeur par défaut. Ils sont tous à 83 au départ. Et ils arrivent tous dans des 90 et plus. Et je vais même vous dire, au début, je suis pas arrivé à régler, et du coup j'ai mis la valeur de la vidéo au pif, et ça allait vachement mieux. Bon, après j'ai compris comment il fallait pour régler. Comment il fallait pour régler, avec le verbe faire dedans, ce qui fait donc la phrase, comment il fallait faire pour régler. Et je vais vous l'expliquer, parce que j'ai même trouvé une petite astuce très sympa. C'est quoi l'idée? Alors l'idée, en fait, c'est de dire à l'imprimante, fais couler 10 cm de plastique. Et à la fin, c'est de regarder s'il y a bien 10 cm qui sont passés dans la machine. S'il y a moins de 10 cm, c'est qu'elle est en sous-extrusion. S'il y a plus de 10 cm, c'est qu'elle est en sur-extrusion. C'est que le chiffre est trop gros. C'est tout con. Maintenant, à faire, c'est un peu plus acrobatique. Voilà comment qu'on fait. Le fil est en place, hein, il faut que tout soit en place. Vous allez là où le fil rentre dans la machine, vous prenez une règle, et vous mesurez 12 cm. Vous faites une marque ou un marqueur sur le plastique. 12 cm. Pourquoi 12? Ben parce que comme ça, après, il devrait nous rester 2 cm hors de la machine. Et c'est ça qu'on va mesurer. Et s'il reste bien 2 cm, c'est qu'on est en bonne extrusion. S'il reste 3 cm, ben il y a 1 cm en plus qui aurait dû passer dans la machine qui n'est pas passé. Donc la valeur, elle est basse. Donc vous dites, voilà, vous faites votre petite marque à 12 cm. Et vous allez dans les réglages de la machine et vous lui demandez très gentiment d'envoyer 10 cm de fil. Je vous dirai comment après. 10 cm de fil. Vous laissez la machine envoyer ses 10 cm. Et une fois qu'elle a fini, vous prenez votre règle et vous regardez si la petite marque qui était sur le fil, elle est bien à 2 cm de l'entrée de la machine. Et si elle ne l'est pas, vous notez la valeur. Et vous faites le petit calcul qui doit être là. C'est un produit en croix. Voilà, vous respectez strictement les petites cases et vous allez obtenir une valeur. Et bien cette valeur, c'est la valeur à aller rentrer dans la machine. Et après, si vous n'êtes pas sûr de vous, ben vous refaites le test. Vous remettez une marque à 12, vous lui demandez de sortir 10 cm et normalement, il devrait rester 2 cm jusqu'à la petite marque, une fois que la machine est terminée. Éclatez-vous tant que vous voulez. Moi, maintenant que je l'ai trouvé, bah, voilà, c'est facile, c'est pas très compliqué. J'ai même trouvé une astuce hyper plus pratique que ce côté mesuré, en fait. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis lavé les cheveux. Et une fois mes cheveux lavés, il me restait un flacon de shampoing vide. Alors, j'ai ouvert le flacon de shampoing et j'ai récupéré l'espèce de tube transparent qui permet au shampoing de monter. Ce tube transparent, j'en ai coupé 10 cm. Je l'ai fendu en deux. Et j'entoure le fil avec. Et sur le tube transparent, je fais une petite griffe tous les centimètres. Ça fait que le tube, il est autour de mon fil, donc mon fil, il passe dans le tube, donc il n'est pas gêné par le tube. Ça fait que quand je fais une petite marque en haut du tube, au fur et à mesure que l'imprimante l'envoie du fil, je vois la petite marque descendre dans le tube transparent et passer les petites stries que j'ai fait. Ce qui fait que j'ai qu'à dire, par exemple, sors-moi 8 cm. Et je regarde la petite marque que j'ai fait à 10 descendre dans le tube. Et elle est censée s'arrêter à 2. Deuxième petite marque sur le tube. Ça fait que j'ai pas à mesurer et le tube, il peut rester en place. Et en plus, le truc sympathique, c'est que le tube, quelque part, il protège le fil contre les éventuels frottements. Parce qu'il y a des possibilités de frottement du fil contre un gros axe vertical. Voilà. Beaucoup de gens ont l'air de dire que ça arrive. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé, mais surtout maintenant qu'il y a le tube autour,
avant que ça arrive, il y aurait coulé de l'eau sous les ponts. Et voilà, c'est réglons l'imprimante. C'est compliqué, c'est pas simple. Mais si vous faites pas ça, moi j'ai fait je sais plus combien d'impressions avant de réaliser que le problème c'était cette valeur-là. J'ai même augmenté la température artificiellement. Les objets qui sortaient étaient plus jolis, mais je m'étais dit, bon, ben voilà, c'est la qualité d'une imprimante. J'aurais pas plus, j'aurais pas mieux. J'ai fait des impressions comme ça jusqu'à ce que, quand même, ça m'embête et que je me mette à chercher et que je trouve ça. Et que je constate que moi aussi, mon réglage par défaut était hyper inférieur et je l'ai monté. Et j'imprime une pièce et elle sort nickel. Et je me suis dit, putain, t'as fait 15 jours d'impression avec 10 degrés de plus dans la machine pour que le plastique soit plus fondu. Ça marchait, hein. Mais au final, il n'y avait pas besoin. Je suis revenu aux valeurs classiques, qui est 200 degrés, aux valeurs classiques de ramollissement du PLA, quoi. Grâce à ce réglage d'imprimante-là. Et j'espère que ça aidera certains d'entre vous. Une fois que ces deux trucs-là sont faits, vous voyez, vous avez déjà franchi mais des étapes de fou. Maintenant, vous êtes à la troisième étape. La troisième étape, c'est avoir un modèle 3D à imprimer. Il y en a plein sur Internet. Il y en a plein de gratuits, il y en a plein de très beaux. Eh bien, figurez-vous que quelle ne fut pas ma surprise de constater que plus de la moitié de ces modèles sont pas bien faits. Alors, le rendu extérieur, si vous en prenez un joli, voilà, le rendu extérieur, il est très joli. Mais quand vous allez voir dedans, c'est la merde. Alors c'est la merde, ça veut dire quoi? Imaginez, j'ai un cube, j'ai un deuxième cube, et en fait, je les fais se toucher, et je les fais rentrer l'un dans l'autre. Vous êtes d'accord que chaque cube, il a une face qui est dans l'autre cube, et que si je veux imprimer le tout, ben, la face qui est dans le cube, en fait, je m'en fous. Parce que les cubes, ils vont être soudés l'un à l'autre, donc qu'il y ait une face à l'intérieur, à part me bouffer du plastique et prendre plus de temps pour être imprimé. Voilà. Et moi, j'utilise un programme qui s'appelle Mesh Mixer. Et Mesh Mixer, on va dire que enlever ce qui est à l'intérieur des solides, il le fait mal. Alors, il le fait, parce qu'il y a l'option, mais 9 fois sur 10, ça ne marche pas, il le fait très mal. Et je suppose qu'il y a des logiciels qui le font sans doute extrêmement bien. Malheureusement, je n'ai pas envie de me compliquer plus la vie que ça. Et beaucoup de gens sont dans le même cas que moi. Ça veut dire que quand vous récupérez un modèle 3D, parfois, et il est fait avec les pieds. C'est-à-dire que vous allez récupérer, je sais pas, on va dire, une tourelle avec un canon. Voilà. Extérieurement, c'est exactement ce que vous voulez. Et en fait, si vous alliez faire un tour à l'intérieur, vous verrez qu'il y a tout un tas d'objets qui sont encore à l'intérieur, qui vont être dessinés, qui vont être imprimés par l'imprimante, pour rien. Qu'on verra jamais. Au lieu de mettre du remplissage avec du plastique à la con, parce que l'imprimante 3D fout du plastique à la con à l'intérieur, elle fait des rayonnages pour remplir, ce qui coûte moins cher parce que ça consomme moins de plastique. Mais si c'est des vrais solides qui sont à l'intérieur, si vous avez des faces de cubes partout qui sont planquées dans d'autres cubes, l'imprimante les imprime, ça vous prend du temps, ça vous prend du plastoc. Et les gens qui font ça ne prennent pas le temps de nettoyer. Dans les modèles que je crée, comme je mets certains à disposition de gens en ligne, eh bien, je m'emmerde, je passe des heures à aller dans mes modèles pour enlever tout ce qui est inutile, pour les réduire à son strict minimum. Et quand je récupère le modèle de quelqu'un et que je vais voir dedans et que c'est la merde, eh bien avant de l'imprimer, je le nettoie. C'est pour moi, ça économise du plastique, ça m'économise du temps. Ça ne s'imprime pas deux fois plus vite, mais vous allez, sur des heures d'impression, vous allez arriver à gagner facile 40 minutes, voire même une heure entière si vraiment le modèle est très mal fait. Vous avez même des modèles qui s'impriment mal. Ils sont mal faits à l'intérieur, mais cette malfaçon a un impact sur l'impression. J'ai eu un torse de Space Marine. Visuellement, à l'écran, c'était exactement ce qu'il fallait. Et quand je l'imprimais, eh ben, il me sortait comme si quelqu'un avait planté un coup de hache dans le dos du Space Marine. Et en cherchant, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait à l'intérieur du torse du Space Marine des couches, des parois qui se croisaient en fait, et que le programme, lui, entre deux parois qui se touchent pas, il met des supports pour que les parois puissent se construire, un peu comme des échafaudages.
Eh ben, ce con-là, eh ben, il rentrait des échafaudages. Et comme il rentrait les échafaudages, eh ben, il soulevait le haut du Space Marine. Il a fallu que j'aille à l'intérieur pour enlever tous ces bouts de solide qui servaient à rien. Et le Space Marine est sorti nickel. Donc voilà, il y a des modèles dégueux. Il y a des modèles qui vont vous faire gâcher du plastique. Surtout les modèles qui sont en une pièce. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les sites internet qui filent des modèles 3D. Le tank en une pièce. N'imprimez jamais un tank en une pièce. Ça va vous demander un temps infini et ça va gâcher du plastique. Mais cherchez une version en découpant en morceaux. Ou, c'est ce que je fais assez souvent, découper la version une pièce en morceaux. Ce qui n'est pas évident, ce qui prend beaucoup de temps. Moi, ça m'amuse, hein. Je suis parfaitement dans mon élément. Et je vais même vous dire, une fois que je l'ai découpé, je les mets à disposition des gens découpés. Sympa, Corbeau, quand même, hein. Ben voilà, mais tout ça, c'est des heures de recherche de modèles, c'est des heures de nettoyage, de découpage, de mélange parfois de modèles entre eux, pour un rendu un peu plus sympathique. Ça prend du temps et c'est pas automatique. Si vous imprimez le modèle tel que vous le récupérez sur Internet, surtout dans le modèle du hobby que je pratique, hein, du wargame, hein, vous allez avoir des résultats qui vont être limite pas acceptables. Et vous allez aussi tomber sur des modèles 3D qui sont pas aux normes, qui sont pas à l'échelle. Le mec qui l'a fait, il a été très bien intentionné. Franchement, il s'est embêté à ce que le modèle ressemble à ce qu'on pourrait acheter dans une boutique. Malheureusement, il a fait le torse trop grand, trop large, trop haut, les épaules trop petites, les mains trop grandes. Et au final, quand vous mélangez un truc imprimé avec des trucs achetés, ça se voit comme le nez au milieu de la figure que c'est un faux. Il n'a pas la bonne taille. Il faut les redimensionner aussi par moment. Je me suis fait fort récemment des figurines qui sont à moto. Eh bien, figurez-vous que les motos que j'ai récupérées sont 1 cm plus grandes que les motos qu'on achète dans le commerce. Ben, du coup, quand vous les mettez côte à côte sur un champ de bataille, ça fait vraiment grosse moto géante et toute moto riquiquite. Et les gens visuellement sont habitués aux petites motos riquiquites. Donc vos motos géantes, elles font complètement bidon. Il y a des histoires d'échelle. Par chance, j'ai plein de figurines Games Workshop, donc je peux mesurer. Je peux mesurer les tailles de torse, les tailles de jambes, et voir si le modèle que je récupère, eh ben, il n'est pas un peu trop grand, un peu trop petit, un peu trop tassé, un peu trop allongé, et modifier tout ça. Et j'y arrive. C'est-à-dire que j'ai en ma possession des versions imprimées et des versions achetées dans le commerce. Franchement, vous les mettez à côté, faut vraiment s'écraser l'œil dessus pour voir laquelle est imprimée. Et c'est exactement ce que je veux. Moi, c'est passer discret. C'est, je veux pas réinventer le jeu. Le jeu a une esthétique, les figurines ont une esthétique. C'est pas pour inventer la mienne et pouvoir imprimer des trucs. Ça, c'est dit. Donc, préparer le modèle, c'est du temps. Et c'est pas facile. Et ça demande de maîtriser au minimum un logiciel et au maximum 2 ou 3. Je pense que si je me mettais à d'autres logiciels de 3D, j'arriverais à faire des rendus bien mieux, mais voilà, chaque chose en son temps. Pour l'instant, j'arrive à faire ce que je veux avec Mesh Mixer. Je crois que je l'ai un peu traversé dans tous les sens. Je vois pas bien ce qui m'échappe encore comme option, comme fonction, mais ça va pas tarder à ne pas me suffire et je vais sûrement aller voir Blender. Il y a de grandes chances. Quatrième point, enfin, c'est pas le dernier, mais c'est le dernier sur lequel je veux vous avertir. C'est surveiller l'impression. Une fois que vous lancez l'impression, faut pas partir. Faut rester, faut regarder. Pourquoi? Parce que dans les premiers instants de l'impression, c'est là que vous pouvez faire des réglages de dernière minute sur le plateau. Sur la chaleur éventuellement, si vous voyez que le plastique sort pas comme il faut. Regardez votre imprimante imprimer. Et si vous voyez que les débuts d'impression, ça accroche pas au plateau, c'est pas la peine de continuer à gâcher du plastique. Arrêtez tout, hein. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Et qu'il faut trouver quoi, corriger et relancer l'impression, après avoir nettoyé le plateau. Voilà. Et même quand l'impression est en train de tourner, de temps en temps, allez voir si tout va bien. Pour la petite anecdote, la première impression que j'ai lancée, ne tenez évidemment pas compte de tout ce que je viens de vous dire, hein. Donc j'ai imprimé un truc en une pièce, voilà, avec beaucoup de plastique en dessous pour le supporter, parce que c'est un engin volant,
avec une sorte d'aileron qui est sous l'appareil. Et donc, il m'a mis, enfin, l'imprimante a mis du plastique qui sert à rien pour monter l'appareil juste parce qu'il y avait un aileron en dessous. Voilà, mais bon, je ne savais pas. Donc, je lance l'impression. Et pour une raison qu'on verra plus tard, l'impression s'est mal passée au début. Et j'étais pas là. Et donc, comme l'impression s'est mal passée, le problème qui s'est produit a fait une bosse, un renflement. Et le renflement n'a fait que grossir avec le temps à mesure que la buse, elle passait, elle posait du plastique. Et quand je suis arrivé, après des heures d'absence, j'ai pu, au dernier moment, arriver à corriger le truc d'une manière un petit peu acrobatique. Et par chance pour moi, l'impression a continué comme si de rien n'était, a réussi à rattraper et à terminer l'appareil bien. Et ma chance, finalement, c'était qu'il y ait beaucoup de plastique sous l'appareil pour le soutenir, parce que c'est là que l'erreur s'est produite. Et avant que la machine ne commence à imprimer l'objet volant lui-même, j'ai corrigé le truc. J'ai corrigé donc dans les supports. Donc le support était crade, mais je m'en fous, le support après il s'en va. Et l'appareil, lui, quand l'imprimante a commencé à faire l'appareil, eh ben, elle était à nouveau bien plate et elle m'a bien fait l'appareil. J'ai sauvé l'impression parce que je suis accidentellement passé devant et que j'ai vu qu'il y avait un réel souci. Parfois aussi, votre impression, elle quitte le plateau. Elle se décolle du plateau et du coup, elle se balade sous la buse. Et c'est mort. Parce que du coup, il n'y a plus rien qui se décolle et le plastique va cramer parce qu'il reste collé à la buse. Et si vous n'êtes pas un peu à côté pour entendre qu'il y a un bruit bizarre, vous allez dépenser du plastique, voire même cramer avec des trucs pour rien. Et pour finir, dernier point, alors moi je m'y attendais pas, mais en fait ça a une vraie, vraie incidence, c'est l'endroit où vous mettez votre imprimante. Quand vous vous lancez dans l'impression 3D, en fait, il faut avoir plus que la place, il faut avoir le lieu idéal pour mettre l'imprimante. Idéal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit être un lieu où il n'y a pas beaucoup de passages. Pour deux raisons qu'on verra plus tard. Ça doit être un lieu chauffé, où la température ne varie pas. Et si possible, loin de l'endroit où vous dormez, parce qu'une imprimante, ça fait quand même du bruit. Alors, regardez chez vous si vous avez un lieu pareil. Moi, il se trouve que par chance, j'ai une chambre d'amis. Donc l'imprimante est dans la chambre d'amis. Mais c'est vrai que comme les impressions que vous lancez durent des heures et des heures et des heures, si vous calculez pas bien, si vous minutez pas bien votre impression, eh ben, elle va se prolonger après minuit, ça veut dire que jusqu'à 1 heure ou 2 heures, 3 heures du matin même, ou parfois même toute la nuit, votre imprimante va faire son gentil petit bordel d'imprimante. Et si vous ne vivez pas seul, ou si vous avez le sommeil léger, croyez-moi, ça va vite vous poser problème. Alors du coup, vous allez vouloir vous limiter à des petites pièces qui s'impriment pendant la journée. Mais ça veut dire qu'il faut être capable de les lancer pendant la journée, les pièces. On ne peut pas programmer l'imprimante sur 2, 3 ou 4 impressions. Il faut être là à la fin pour relancer la suivante. L'impression 3D, curieusement, je ne m'y attendais pas, hein, mais c'est un truc qui vous demande du temps et de la disponibilité. C'est pas une question d'argent. C'est la première fois qu'un de mes hobbies n'est pas une question d'argent. Ce que j'imprime ne coûte rien, la matière première ne coûte rien, l'imprimante elle-même ne coûte rien. Par contre, il faut être disponible. Il faut un temps fou pour préparer les impressions, lancer les impressions, les récupérer, les nettoyer, les améliorer. Parce que l'imprimante ne fait pas tout. C'est un des points que je veux aborder avec vous, mais l'imprimante 3D ne fait pas tout, elle fait une bonne base, et après c'est à vous de transformer la base. Je crois sincèrement que c'est comme ça que ça marche le mieux. Et la valeur qui est en jeu, la notion qui est en jeu dans l'impression 3D, c'est le temps. Est-ce que vous avez le temps de vous lancer dans la fabrication de ce tank ou de ce bâtiment? Est-ce que ça va vous prendre 1 mois parce qu'en fait vous bossez la journée ou vous allez au lycée ou à la fac ou peu importe, vous vivez chez vos parents, donc il ne faut pas faire de bruit après une certaine heure, et du coup, si vous avez tout ce genre de contraintes-là, eh ben, votre tank, il va vous falloir 1 mois pour le faire, petit à petit. Il va falloir beaucoup de patience. Et ça veut dire que si jamais l'impression d'une pièce échoue, qu'il faut la refaire, eh ben, c'est autant de temps perdu.
Ça fait que votre tank, c'est pas un mois, c'est 2 mois pour en avoir un de tank. Imprimez une chenille de tank, juste une chenille, hein, la droite ou la gauche. Moi, comme j'ai réglé la machine et tout ça, une chenille, ça me prend 12-13 heures. Donc si elle foire, il faut retrouver 12-13 heures de disponibilité. 12-13 heures, ça veut dire que si je lance l'impression après midi, donc si je la lance à 1h30, bah, elle va se terminer à 1h du mat. Qu'est-ce que je peux me permettre de faire du bordel à 1h du mat? Ou pas? Voilà, tout est une question de temps. Et on parlait du lieu. Le lieu idéal, je vous disais, première raison, un lieu où il n'y a pas de passage. La première raison, c'est que il ne lui faut pas à cette imprimante ni de vibration, ni de courant d'air. Si elle est posée sur une table et que c'est pas une table de bonne qualité, genre un tréteau avec une planche, et que quand on marche à côté, on fait trembler le tout, bah vous prenez des risques. Prenez des risques qu'à un moment, il y ait une secousse un peu plus importante que le reste. Un camion passe sur la route, ça fait vibrer le plancher, ça fait vibrer la table, ça fait vibrer la machine. Si vous n'avez pas de bol, ça va faire un dépôt de plastique malvenu qui va faire une bosse, qui va s'amplifier, qui va tout dérégler. Et le courant d'air, pourquoi? Alors ça m'a le plus surpris, hein. Mais le courant d'air, parce que si le courant d'air passe sur le plastique en train de se déposer, ça va le refroidir plus vite que prévu. Et si le plastique se refroidit plus vite que prévu, eh ben, il va se solidifier avant d'accrocher au reste du plastique. Donc il ne va pas se solidariser, il ne va pas s'ajouter, il va juste se poser par-dessus. Et ça veut dire que votre pièce, une fois finie, il y aura un endroit ou plusieurs endroits où elle sera très cassante, parce qu'en fait, le plastique n'aura pas fondu, ne se sera pas mélangé, il sera juste posé sur le plastique du dessous. Et donc trois fois rien fera que la pièce se sépare en deux. C'est ce qui est arrivé à ma toute première impression. Mon appareil volant, là, en fait, l'imprimante était posée en face d'une porte. Et à chaque fois que quelqu'un franchissait la porte, ça envoyait une vague d'air. Et ce qui s'est passé, c'est que le plastique, en se refroidissant trop vite, ben le plastique qui se posait dessus étant super chaud, ça a provoqué une rétractation. Ça veut dire qu'en fait, les coins de la pièce, les quatre coins de la pièce, ont commencé, au lieu de rester à plat, ils ont commencé à se soulever comme ça, entraînés vers le haut par le coefficient de rétractation du plastique, juste parce qu'il y avait un courant d'air un peu récurrent. Donc maintenant, chambre d'amis, personne ne rentre. Une pièce chauffée, parce qu'il faut que la température reste stable. Variation de température, ben, variation de comportement du plastique. S'il y a une fenêtre, ben, il faut la fermer, la fenêtre. Parce que si jamais il y a le soleil qui rentre et que le soleil se met à taper sur l'imprimante, il va augmenter la température. Et quand le soleil va disparaître, sous un nuage par exemple, ben la température va baisser. Et le plastique, il n'aime pas ça. Une pièce dans le noir, chauffée, où personne ne passe. Et si possible, assez résistante aux vibrations. Vous savez, parfois, il y a des maisons qui sont très sensibles. S'il y a un poids lourd qui passe sur la route, t'as toute la maison qui vibre. Ben ça, en fait, il faut mieux pas. Voilà. Voilà. C'est un peu. Tout ça qu'il faut prendre en compte pour pas foirer son impression. Et quand je mets tout bout à bout et que je regarde le temps qu'il m'a fallu pour tout découvrir, je me mets à la place de quelqu'un qui achète l'imprimante en se disant, tiens, c'est génial, ça va sortir tout seul, je vais récupérer un modèle des figurines que j'adore et je vais les imprimer. Et qui, pour toutes ces raisons et certainement pour bien d'autres que je n'ai pas encore affrontées, finit avec une impression dégueulasse, ratée, bancale, baveuse. Et super déçu par le résultat et a pas envie ou pas le temps de consacrer justement du temps à trouver le pourquoi du comment et à le réparer. Sachant qu'à chaque fois que vous faites une modif sur l'imprimante, faut jamais en faire deux. Parce que si vous en faites deux et que vous examinez le résultat, vous saurez jamais laquelle des deux a fonctionné et laquelle des deux fout la merde. Il faut faire des modifs une par une, faire une impression, faire une autre modif, faire une impression. C'est pour ça aussi qu'il existe des impressions de test qui permettent de vaguement de voir si les. Si, je ne sais pas, si vous imprimez un cube, vous verrez si votre imprimante elle est droite. Si vous imprimez un cube et qu'à la fin vous avez un trapèze, bah c'est que l'imprimante elle n'est pas droite. Voilà, par exemple, si vous imprimez un rond et que le rond il est ovale, c'est que le plateau il a un petit souci.
ou que la buse n'est pas droite. C'est voilà, c'est tout ce genre de petits délires, mais voilà, il faut s'investir dedans, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas l'envie, si vous pensez que vous n'avez pas les compétences, alors déjà, les compétences, moi je ne les ai pas plus que vous, hein, c'est tout finit par s'acquérir, mais la notion principale, c'est le temps. Vous allez passer des heures et des heures et des heures dans le vent, des heures à régler, des heures à être déçu du résultat et à trouver un moyen de ne pas être déçu. Mais au bout du tunnel, quand vous avez réglé l'imprimante, qu'elle est bien montée, qu'elle est au bon endroit et que vous avez un bon modèle 3D et que vous avez le temps, la réalité, c'est que vous produisez des pièces d'excellente qualité. Je pèse mes mots. Il faut vraiment mettre le nez dessus pour voir que c'est pas un truc qui a été moulé, mais un truc qui a été imprimé en PLA. Maintenant que tout ça est abordé, la question numéro 2, je me la suis posée quand j'ai acheté l'imprimante. J'avais la possibilité d'avoir une imprimante PLA, donc plastoc, ou une imprimante résine. Et quand vous regardez la différence entre les deux systèmes, grosso modo, le PLA, c'est pas cher, mais ça prend du temps. On voit des traces horizontales sur les pièces qu'on imprime, qui peuvent être très minimes, mais on les voit quand même. Et si vous faites des détails trop petits, ça ne marchera pas. Les détails vraiment minuscules, ça ne marchera pas. La résine, ça coûte cher. Et l'imprimante et les flacons de résine, ça coûte vraiment, ça coûte 3 fois plus cher qu'un rouleau de PLA. Ça sent très mauvais. La résine, ça sent vraiment, vraiment, c'est super agressif. Donc imaginez que vous mettez l'imprimante dans votre chambre, l'imprimante résine, ça veut dire que ça va puer la résine dans votre chambre, vos vêtements, votre lit. Vous mettez ça dans la cuisine ou dans le salon, ça va puer. Donc il faut juste une pièce dédiée pour. Alors, l'imprimante résine, je ne sais pas si c'est sensible aux vibrations et aux changements de température, je ne pense pas très honnêtement. Mais voilà, sachez que imprimer en résine dans sa baraque, c'est quand même foutre une odeur daubée partout. Ça demande un certain traitement une fois que la pièce est finie, alors que moi, la pièce qui sort de l'imprimante, derrière, là, une fois qu'elle est imprimée, je la base, je la peins, je la travaille, je colle des trucs dessus, c'est prêt à être utilisé. Par contre, les petits détails sont là. Pour imprimer des figurines chargées de détails, quelqu'un avec une chevelure, par exemple, essayez pas d'imprimer une chevelure en PLA. Préférez les crânes chauves ou les casques. Vous voyez, c'est du coup, il y a certaines armées qui sont plus facilement imprimables en PLA, et certaines armées doivent plutôt être imprimées en résine. L'avantage aussi de la résine, c'est que si vous mettez plusieurs figurines à imprimer en même temps, chaque couche successive de résine s'imprime d'un coup d'un seul. Alors qu'avec le plastique, il faut que la buse, elle dépose, elle fasse son petit chemin, ce qui prend du temps. Voilà. Et donc, quand la question s'est posée, ce qui m'a décidé, moi, c'est deux facteurs. Le premier, c'est globalement, je ne voulais pas faire des figurines. Parce que des figurines, j'en ai plein. Voilà. J'ai passé des années à claquer ma thune chez Games Workshop. Donc, mon armée de Space Marine, en termes de figurines, d'unités, elle est. Voilà. J'en ai une centaine à peu près. C'est largement suffisant. Je ne voulais pas partir dans la fabrication de figurines. Par contre, ce que j'ai pas, c'est tous les véhicules qui coûtent très cher, que j'ai jamais pu m'acheter. Tous les décors. J'ai toujours voulu avoir une belle table de jeu. Ça veut dire des beaux décors. Et jusqu'à maintenant, je les faisais ben, en bricolant avec des trucs récupérés, du plastique, du carton. Et on est plus ou moins doué et ça ressemble plus ou moins à quelque chose. Maintenant, les décors, je peux les imprimer hyper travaillés en plastique. Et je ne me voyais pas les imprimer en résine parce que des décors, il en faut beaucoup. Il n'y a pas besoin d'aller dans la minutie du détail pour un arbre, pour une caisse d'armes, pour un obstacle, pour une tranchée. Globalement, les décors, une fois peints, une fois texturés, si le rendu n'est pas nickel, nickel, c'est pas dramatique. Alors que sur une petite figurine, si le rendu n'est pas nickel, nickel, quand même, ça se voit un peu. Surtout à côté d'une figurine achetée dans le commerce qui, elle, est complètement nickel. Il y a un vrai effet de comparaison. Donc, comme je voulais pas claquer de la thune à fond les ballons, faire des grosses pièces, donc des tanks, des avions, ce genre de choses-là, et des décors,
Ben moi, j'ai pris le PLA. Et qu'en plus, j'allais imprimer dans ma maison parce que j'ai pas d'atelier. Donc, PLA. Et je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu parce que j'ai fini par imprimer des figurines. Et comme mon armée est une armée de Space Marine et que c'est des mecs en armure relativement lisse et plate, et pas constellée de détails, eh bien, ma foi, les figurines, même les petites figurines que j'imprime en PLA, rendent plutôt bien. Avec un truc quand même, il faut l'avouer. Beaucoup de gens dans leurs vidéos vont vous dire, de toute façon, les défauts de l'impression en PLA, vous allez les rattraper à la peinture. Oui, si vous savez peindre. Parce que si vous ne savez pas peindre, ces défauts, vous allez les accentuer à la peinture. Quand vous regardez les modèles qu'on trouve sur Internet, souvent, les gens qui les ont créés mettent des photos de ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Et on a l'impression que ils ont bu un pot de peinture et qu'ils ont gerbé sur leur figurine. Quand vous peignez une figurine achetée dans le commerce, vous savez que vous pouvez vous baser sur la qualité des reliefs. Et qu'en survolant certains trucs avec votre pinceau, la peinture va s'y déposer et vous allez obtenir le contraste qui fait la profondeur, la distance d'une figurine. Quand vous imprimez en PLA, il y a des défauts, parfois même invisibles à l'œil nu ou visibles seulement de très très près. Mais si vous passez dessus avec votre pinceau et que vous mettez de la peinture claire sur les reliefs, ben vous allez accrocher avec le pinceau tous les reliefs pas prévus, tous les reliefs dégueulasses de l'impression 3D. Et du coup, vous allez créer cet effet de profondeur, mais là où il ne faut pas. Vous allez révéler tous les défauts. Typiquement, les stries sur une impression, ce qu'on appelle les couches, les layers en anglais, les couches d'impression qu'on voit qui font cette apparence un petit peu striée sur le côté, si vous faites une technique qui s'appelle le brossage à sec, ben vous allez les mettre en avant. C'est-à-dire que même de très loin, on va voir les petits traits horizontaux. Il ne faut surtout pas faire de brossage à sec sur une impression 3D en PLA. Surtout pas. Au contraire, il faut se livrer au trompe-l'œil. Vous voulez faire une ligne droite? Ne pensez pas que la ligne que vous avez devant vous, elle est droite. Elle ne l'est pas. Il va falloir la dessiner par-dessus parce qu'en fait, la ligne que vous avez faite, si vous approchez bien, vous allez voir qu'en fait, elle est pleine de petites bosses de chaque couche. Il faut vraiment s'approcher, mais quand vous allez peindre en brossage à sec, vous allez révéler ce qui était avant invisible à l'œil nu, le fait que c'est plein de petites bosses. Alors que si vous dessinez la ligne avec beaucoup de peinture sur le pinceau, vous faites vous-même votre ligne droite, vous allez mettre la peinture dans les bosses et dans les creux. Et du coup, visuellement de loin, on va avoir l'impression que c'est une ligne droite. Soit vous faites ça, soit vous customisez la figurine. C'est-à-dire que là où il y a des angles, alors, solution numéro 1, vous limez. Vous prenez une lime, vous prenez du papier de verre, et puis vous poncez jusqu'à ce que ça redevienne plat. Moi, je ne vous le conseille pas vraiment. Par contre, ce que je vous conseillerais, c'est vous prenez une languette en plastique, plastique de récupération de n'importe quoi, hein. Et vous la mettez sur le coin. Si vous y arrivez, vous la pliez angle droit et vous la posez par-dessus l'angle, et du coup vous obtenez un angle bien droit, bien lisse, bien nickel. Vous customisez votre pièce imprimée avec des trucs qu'il y a autour de vous, de la récup, du recyclage. Je l'ai fait à plusieurs reprises, ça marche très bien. Et comme vous avez le corps en plastique de la figurine que vous voulez, le fait comme ça de d'affiner les détails, les angles, les arêtes de la figurine, ça renforce encore plus l'impression que le résultat est quand même chouette et pas dégueulasse. Mais voilà, sachez simplement que la peinture, si vous peignez pas bien, ça amplifiera le côté dégueulasse de la figurine. Et inversement, si vous peignez bien, vous allez pouvoir planquer tout un tas de défauts sous des petits trucs de trompe-l'œil, ce qui est mon cas. Je me suis posé une question quand j'ai commencé à imprimer. Je me suis dit très clairement, j'imprime des figurines dont les droits de propriété intellectuelle ne m'appartiennent pas. Ce sont des ce sont des Space Marines de chez Games Workshop. On ne peut pas s'y tromper, hein, ça a des gueules de Space Marine, c'est fait pour que ça y ressemble, donc je suis clairement en train d'enfreindre la propriété intellectuelle de Games Workshop. Vous trouverez des gens qui vont vous dire, ça va tuer le hobby,
Ça veut dire que si on imprime nos figues, on les achète plus. Si on les achète plus, ben Games Workshop, ben il n'a pas de sous, et s'il n'a pas de sous, il va fermer. Alors, j'ai deux réponses à ça. La première, c'est, pour mon cas personnel, je leur ai filé suffisamment de fric jusqu'à maintenant. Donc je me sens tout à fait en droit de terminer ma collection par moi-même. Et sur un plan un peu plus élevé, so what? Si Games Workshop ferme, qu'est-ce qui m'empêche de jouer en fait? Ils ont fait les règles, voilà, j'ai les règles du jeu, je suis capable de faire les figurines, j'ai les profils pour que mes figurines combattent. Quand est-ce que Games Workshop, j'ai besoin de lui? Parce que Games Workshop, il fait quoi en fait? Tous les 2 ans, il sort une nouvelle version des règles, certes différente, mais globalement, c'est le même jeu, c'est le même univers, qu'il faut racheter, qu'il faut réapprendre, parfois même. Certaines figurines qu'on achetait n'existent plus, ne sont plus disponibles. Et du coup, on les a achetées pour rien. Enfin voilà, il y a tout ça derrière. Moi, Games Workshop, c'est pas mes amis, je leur dois rien. Je les fais fermer un jour, on va les faire fermer un jour parce qu'on imprime nos figurines. Eh bien, ils n'ont qu'à se réveiller, ils n'ont qu'à faire des figues moins chères. Parce que très honnêtement, les figues que j'imprime là, qui me coûtent. Si un tank me coûte. 6 euros, c'est la fête à la maison. Vous en trouverez à 30, 40, 60 euros. Leur dernière boîte qu'ils ont sortie, là, il y a 20 figurines dedans, elle coûte 105 euros ou 100 euros. Donc, s'ils ne nous avaient pas pris pour des vaches à lait pendant longtemps, on n'aurait peut-être pas cherché une solution pour se procurer ces fameuses figurines. On aurait acheté les figurines du commerce et puis voilà. S'ils ne changeaient pas leurs règles tous les 4 matins, on n'aurait pas l'impression d'avoir, parce que c'est mon cas, dans le rayonnage de votre bibliothèque, de ma bibliothèque, d'avoir toutes les versions de leurs jeux d'avant qui servent plus à rien, personne n'y joue. Et je les ai achetés. Les livres d'armée, je les ai achetés. Ils servent plus à rien. Le livre des règles de la version qui est en cours actuellement, je l'ai téléchargé, je l'ai photocopié, j'en suis très content. Claquer 30, 40 euros pour devoir les reclaquer dans 6 mois parce qu'ils ont changé d'avis, très peu pour moi. Donc Games Workshop, je leur dois rien. S'ils ferment, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'adapter. Games Workshop pourrait vendre des plans 3D. Ça existe maintenant. Ils pourraient vendre des modèles 3D. Et je suis sûr qu'ils pourraient même se débrouiller pour faire en sorte que le modèle 3D se limite à un certain nombre d'impressions. Il suffirait de papoter un peu avec les fabricants d'imprimantes. Un peu comme les cartouches d'encre savent très bien combien d'impressions c'est fait avec la cartouche. Le modèle 3D pourrait très bien savoir combien de fois on l'a imprimé. Ça serait peut-être piraté, je dis pas le contraire, mais tout le monde n'est pas capable de pirater ce genre de choses-là. Ça ferait qu'il serait un peu dans le jeu. Ça ferait qu'il s'intéresserait à l'impression 3D. Il pourrait même vendre de l'imprimante 3D, carrément. Allez savoir. Enfin bref, ils y touchent pas. Ils continuent à faire leurs figues en plastoc. Maintenant, je connais le coût de revient d'une figue en plastoc. Du coup, puisque j'en fais, je vois leur prix de vente. Putain, les mecs, ils marchent, mais elles sont vison, leurs figues, elles sont saumon. Enfin, moi, c'est fini. C'est fini. Games Workshop n'aura plus une thune de ma part. Plus une. Et je serais ravi, ravi de les faire fermer. Et si les gens arrêtent de jouer parce que Games a fermé, bah tant pis pour eux. Moi, Games ferme, Games ferme pas. J'ai des règles, des figurines, une table, des potes, je joue. Je continue à jouer, j'ai pas besoin d'eux en fait. C'est ce que les gens n'ont pas encore compris, c'est qu'on n'a pas besoin d'eux au final. Il fut un temps où le magasin Games Workshop était vraiment un lieu de rendez-vous, un lieu hyper convivial. Du peu que j'en ai vu, j'ai l'impression que ça a quand même vachement changé et que c'est juste devenu super méga mercantile, que grosso modo, si t'achètes pas, t'as rien à foutre là. Eh ben ok. Pas de problème. Voilà. Je vais me faire mon club dans mon coin et on va continuer à jouer. Et j'imprimerai des figues pour les autres si le cœur m'en dit et je serai ravi de les faire fermer. Voilà. Donc, légal, pas légal. Non, c'est certainement pas légal, mais on s'en bat les couilles comme beaucoup de choses en ce monde. Hein, voilà. Que dire de plus sur l'impression 3D? Alors, je vais faire des vidéos sur les différentes choses que j'ai imprimées, en mettant un lien pour les télécharger et en filant des conseils sur comment les imprimer, comment les monter,
Alors après, comment les peindre, ça vous regarde. Mais voilà, chaque modèle que je me suis embêté à faire, je vais essayer de le partager au maximum avec tous les conseils, éviter toutes les erreurs que moi j'ai pu faire lors du montage ou de la fabrication. Et ces vidéos-là, en fait, je les mettrai en lien sur le site internet où je mets les modèles 3D pour que les gens qui le téléchargent aient accès à la vidéo qui leur explique éventuellement comment faire. Ça a toujours été ma façon de faire sur cette chaîne et ça le sera jusqu'à la fin. Et je suis ravi d'avoir trouvé à nouveau un moyen d'évacuer ce besoin de communiquer les choses que je m'embête à faire. Sinon, mis à part ça, il n'y aura pas vraiment de vidéo conseil sur l'impression 3D en elle-même parce que je m'y connais pas assez. Moi-même, je découvre. Juste un truc, pendant que j'y pense, parce que je ne ferai pas une vidéo exprès là-dessus, si vous prenez une imprimante 3D, vous allez trouver beaucoup de gens qui vous filent des plans à imprimer pour customiser votre propre imprimante. Dans l'idée, ça a l'air génial. Une imprimante qui fabrique ses propres pièces pour s'améliorer. Ça a l'air géant. Dans la réalité, 90% des choses que vous fabriquez ne servent à rien, voire même vont vous compliquer la vie à un moment. Je suis tombé même sur une vidéo où le mec fait le tour de comment j'ai customisé mon imprimante, et à la fin de chaque pièce, il dit « Ouais, bon, ça sert pas à beaucoup, mais c'est très joli. » Ok, d'accord. La seule chose que j'ai fini par le faire, parce que le problème ne se résolvait pas, c'est dans l'imprimante, il y a un endroit, que je vais vous mettre en image, où il y a un ressort. Ce ressort, en fait, il pousse un bras, et au bout de ce bras, il y a une roue. Et le fait de pousser le bras, ça plaque la roue contre votre filament de plastique. Et ça fait que ça lui permet d'être entraîné par une poulie et donc d'avancer dans la machine. Ça veut dire que si le bras ne pousse pas assez fort, le filament, il n'est pas pincé par la roue, et du coup, parfois, il n'avance pas. Et comme il n'avance pas, vous vous trouvez en sous-extrusion. C'est-à-dire que la poulie, elle tourne. Et la roue qui est censée écraser le plastique et le pousser en avant, eh bien elle n'est pas assez plaquée, le filon plastique ne bouge pas, mais votre buse, elle continue à avancer, elle ne pose pas de plastique. Et vous vous trouvez avec des trous dans votre impression. J'ai essayé de régler ça pendant un mois. Alors, serrer les vis, desserrer les vis, ta mère en short, rien n'a marché. En fait, le ressort qui pousse le bras, il est trop mou. Et je m'en suis rendu compte parce que quand je poussais le bras avec mon pouce, à main nue, j'arrivais à trouver la pression suffisante pour que le fil soit là. Mais dès que je relâchais, le fil se relâchait aussi. J'ai donc dû imprimer des petits bouts de plastique qui se mettent sur le ressort, en haut et en bas. Quand vous trouvez le fichier, il y a plusieurs épaisseurs. Vous avez 1 mm, 2 mm, 1 mm 5 et 0,5, je crois. Et j'ai dû mettre en tout 3 mm de plus autour du ressort. Donc le ressort est plus comprimé et du coup il pousse plus loin. Et bien, grâce à ça, j'ai enfin résolu mon problème de sous-extrusion que j'ai depuis l'achat de l'imprimante. Parce que même en rentrant la fameuse valeur dont je vous parlais en début de vidéo, et bien, de temps en temps, ça ne suffisait pas, ça ne marchait pas. Et en fait, c'est en regardant cette roue qui est censée compresser le filament de plastique. C'est en la regardant et en faisant dessus une marque au feutre, parce que sinon la roue, comme elle est lisse, on ne voit pas si elle tourne ou pas. Mais si vous faites une marque au feutre dessus, vous allez voir si la roue tourne ou pas. Et c'est là que j'ai vu que de temps en temps, la roue, elle s'immobilisait. La poulie d'entraînement, elle tourne, mais la roue, elle ne tourne pas. Et du coup, le fil, si vous faites une marque sur le fil, vous allez voir que le fil n'avance pas. Et donc, toute une partie de la couche de plastique qui doit se déposer ne se dépose pas. Et ça vous fait un sympathique trou. Eh bien, c'est grâce à ces deux bouts de plastoc à la con que le ressort il est bien tendu, qu'il appuie bien sur le bras en plastique, qu'il pousse bien la poulie, qu'il tape bien dans le fil, et le fil il est entraîné. Et depuis que j'ai mis ça en place, plus de problème de sous-extrusion. C'est la seule chose, si vous avez une Creality Ender 3, parce que, encore une fois, les autres imprimantes, je ne sais pas si c'est vraiment sur le même délire, quoi. Mais si vous avez celle-là, et apparemment il y a une grosse communauté qui a celle-là, c'est la seule chose que moi j'estime indispensable, c'est ces deux petits bouts de plastoc
sur le ressort. Toute cette partie-là, qui visiblement m'a posé beaucoup de problèmes, c'est la partie que je veux changer depuis le début. J'ai commandé la version en métal, qui paraît-il est bien mieux. Ben, la version en métal, ma première commande, elle date de fin novembre. J'ai appris début mars que je l'aurais jamais parce qu'elle s'était perdue. J'ai refait début février, pardon, parce qu'elle s'était perdue. J'ai repassé la commande début février. On va arriver fin mars. Je sens que je l'aurai toujours pas. Mais je pense que remplacer cette partie par la partie en métal, sous réserve que le ressort de cette partie-là soit un peu plus violent, sinon je devrais remettre les petits bouts de plastique, va quand même m'aider à résoudre ce petit souci de sous-extrusion qui m'a posé grand souci et qui me pose encore souci parce que je me dis du coup que tout ce que j'ai imprimé depuis fin janvier, je l'ai imprimé avec ce souci de sous-extrusion. Ça veut dire que le rendu visuel de ce que j'ai imprimé n'est pas aussi tip-top que ça aurait pu l'être. Ça sous-entend que si je refaisais l'impression, ça serait mieux. La question, c'est est-ce que je veux refaire l'impression de ces véhicules qui m'ont demandé 40, 50 heures d'impression, qui sont assemblés, qui sont peints? Est-ce que j'ai vraiment envie d'en faire un autre, juste pour que ça soit un peu mieux? Alors la logique voudrait que non. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une petite voix en moi qui me repose quand même la question tous les 4 matins. Mais ça, c'est mon côté perfectionniste. Et je ne vous embêterai pas avec. Voilà mes cadavres, c'est un survol très rapide de cette histoire d'impression 3D, mais bon, je voulais vous en parler puisque c'est l'imprimante chez moi, elle tourne quasiment du soir au matin. Je calcule mes impressions, je découpe mes pièces fonction du temps qu'il faut pour les imprimer et j'ai un planning de lancement des impressions pour qu'elles se terminent toutes à peu près à minuit, qu'on puisse tous dormir en paix. Et voilà, il y en a certaines, je sais qu'il faut que je les lance à 6 heures du matin parce qu'elles vont durer 3 heures. Comme ça, je récupère la pièce à 9 heures et puis j'en mets une autre qui va jusqu'à 13 heures. Voilà, j'ai un planning de rotation et quand je découpe un véhicule en petites pièces, je regarde le temps que demande chaque petite pièce et s'il y en a un qui demande trop de temps, ben, je le modifie, je l'allège, je l'améliore pour que ça baisse le temps de production et que ça rentre dans mon planning. C'est un peu mon ordinaire depuis que nous sommes confinés. Allez, bon jeu à vous, même si on n'a pas parlé de jeu. Bonne impression 3D si vous tentez de vous y mettre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour y répondre, mais j'essaierai d'y répondre. En attendant, amusez-vous bien, occupez-vous bien, profitons de ce temps disponible que nous avons. Rendez-vous peut-être in-game ou peut-être sur une question, peut-être même sur mon Discord si jamais vous avez envie de le rejoindre. Quoi, vous l'avez pas, mais c'est parce que je ne vous ai pas encore invité. Mais si je vous croise en jeu, peut-être que je vous inviterai. Ciao les cadavres.